Bonjour, dans cette vidéo, on va voir quelques exemples de division de fractions négatives. On va commencer par exemple par moins 5 sixième, moins 5 sixième, divisé par 3 quarts, 3 sur 4. Donc on sait faire ça, on sait que diviser une fraction par une autre fraction, c'est la même chose que multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Et quel est l'inverse de 3 quarts? Eh bien oui, l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. 4 tiers. Et on se retrouve ici dans un cas qu'on a déjà vu dans les premières vidéos. Pour multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, on a moins 5 multiplié par 4 au numérateur. Et au dénominateur, on a 6 multiplié par 3. Combien ça fait ça? Eh bien, moins 5 fois 4, ça fait moins 20. Moins 20. Parce qu'on sait que 5 fois 4, ça fait 20. Et comme on a un nombre négatif multiplié par un nombre positif, on a comme résultat un nombre négatif. Donc, moins 20 sur 6 multiplié par 3. 6 fois 3, ça fait combien? C'est ça, ça fait 18. Mais ici, on a une fraction qu'on peut simplifier. Parce qu'on remarque que 20 et 18 sont tous les deux divisibles par 2. Donc, on va diviser moins 20 par 2 et 18 aussi par 2. Moins 20 divisé par 2, ça fait combien? C'est ça, ça fait moins 10. Et 18 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 9, parce que 2 fois 9, ça fait 18. Et nous avons ici notre résultat. On va voir un autre exemple. On va voir cette fois-ci moins 4 divisé par exemple, moins 1 demi. Moins 1 demi. Donc, on va commencer déjà par écrire moins 4 sous la forme d'une fraction. Moins 4, c'est égal à moins 4 sur 1. Divisé par moins 1 demi. Donc on a ici la division de deux fractions. Ça, c'est la même chose que moins 4 sur 1 multiplié par l'inverse de moins 1 demi. Qu'est-ce que c'est l'inverse de moins 1 demi? Eh bien oui, c'est par exemple moins 2 sur 1. J'aurais aussi pu écrire 2 sur moins 1. C'est la même chose. Donc cette opération-là, on sait la faire. C'est égal à moins 4 multiplié par moins 2, divisé par 1 fois 1. Combien ça fait ça? Eh bien, au numérateur, on a moins 4 fois moins 2. 4 fois 2, ça fait 8. Et un nombre négatif multiplié par un autre nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc moins 4 multiplié par moins 2, ça va faire 8. Et au dénominateur, on a 1 fois 1, ça fait 1. Et donc en fait, on trouve que moins 4 divisé par moins 1 demi, c'est égal à 8.